Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Un chef dans votre famille. J'espère que vous allez bien à la maison, car nous on est en super forme. Toi ça va bien Christian? Numéro 1. Numéro 1? Oui. Parfait, qu'est-ce que tu nous concoctes cette semaine? Alors cette semaine ça va être chicon au jambon forêt noire. Hein? Chicon pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des anzilles. Ah ok. Ensuite fettuccine, trois couleurs aux fruits de la mer. Puis la fausse tatin au poire caramélisé. Wow! Un menu que je me délecte déjà juste le fait d'y penser. Alors, sans plus tarder, on va s'installer. On se retrouve dans quelques instants. Alors, chef, on est maintenant prêt pour l'entrée? Oui, c'est un petit classique, ça, en fin de compte. C'est une version comme on peut faire avec les asperges au gratin, la même chose. Oui. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que on a l'endive. Est-ce que tu connais l'endive un peu? Oui, un petit peu, oui. Je sais que c'est amer. OK. C'est quand même délicieux. Oui. Très croquant. On peut l'accompagner dans les salades. Oui. Avec des pommes-fruits. On peut, avec les branches ici, on peut faire... On peut les farcir. Les petits réceptacles, oui. S'en servir comme canapé, tout ça, en fin de compte. Bon, ce qui est important, on a notre endive, jambon forêt noire, une béchamel. Hein? On a une petite béchamel qu'on a faite d'avance. Ce qui est important à savoir, une béchamel, c'est quoi? Bon, si on met 2 cuillerées de beurre, un coup qui vient mousseux, on ajoute 2 cuillerées de farine, environ 1 tasse de lait. Mais quand vous avez votre roux qui est bien mêlé, la pâte, si le roux est chaud, on verse notre lait froid pour éviter les grumeaux. C'est l'inverse. Si le roux est froid, on verse notre lait chaud dedans pour éviter les grumeaux. Ça vaut pour ça? Oui. OK. Ce qui est bon à savoir, on va se mettre une petite poêlade. Oui. Un petit filet d'huile d'olive. Moi, je triche un peu. Un petit filet d'huile d'olive. Une petite noix de beurre. On va faire... revenir un peu nos endives. Oups! OK. Ce qui est bon à savoir aussi au niveau de l'endive, vous voyez là, les bouts des feuilles sont jaunes parce que ça commence à être vert, à tirer sur le vert. On touche plus à ça. Non, on touche plus à ça parce que là, à ce moment-là, le goût amer est beaucoup trop présent puis vous apprécierez pas l'endive. Ça ne lui rendra pas justice. Tu as vu, je l'ai coupé en quartier. Oui. Je recipe. Normalement, la grosse partie amère, c'est dans la base. Exact. Alors, j'enlève ici le cœur. OK. On va les faire venir. OK. Tu vois, je dépose un petit peu de béchamel dans le fond de mon plat. OK. Un plat que tu as beurré, là. Faut le préciser. Oui. Qu'est-ce que ça dit? OK. Ça semble correct. Ouais, c'est parfait. Croquant un peu. Normalement, c'est 2 par personne, 2 petites portions. Alors, une endive, c'est suffisant. Normalement, là, avec une petite pince, on les garde le plus possible rapprochés. OK. Facile pour lorsqu'on veut rouler. Oui. OK. On va mettre le reste dans le fond. On ne se fait pas de chicane avec ça. Comme je disais à la maison souvent, mais je fais la même chose. Dans un Pyrex un peu plus grand, avec des asperges, je les roule dans le jambon comme ça, je mets une béchamel et je gratine par la suite le garde. Il y a plusieurs variantes, hein, on le dit souvent, là, plusieurs variantes, mais moi, c'est ma préférée. Celle-là, j'ai pas encore goûté, j'ai hâte, mais non. Je suis certain que ça va être un délice. OK. On finit avec... ma cuillère a tombé dans le fond. Pas grave. Système D. On en rajoute par-dessus. Tu vois, moi, dans ma béchamel, je mets un petit peu de muscade, noix de muscade. Ah, ça relève. C'est le poivre. Quelques gouttes de tabasco aussi. Ça fait relever. Pour donner un peu de personnalité. Du caractère. Un peu de fromage. Très simple à date, là. Très, très simple. C'est simple, c'est pas long. Ça se fait en un clin d'œil. Ça, on peut les préparer la veille aussi, puis
Alors, on met au four à 350 environ, environ 20 à 25 minutes. OK. Mais on surveille, hein, puis quand que ça commence à dorer, là, un beau petit on s'en rend compte, oui. Ouais. Et je te dis que t'es pas prudent. N'essayez pas ça à la maison. Non, 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 prends pas ça avec les mains. On va laisser reposer un peu. OK. Comme ça, comme ça. Bouge pas. Aïe, aïe. Hein? On peut s'amuser à mettre un peu de persil haché. Il me semble que j'avais ça quelque part. Hein? On va faire du décalage. OK? Simplicité. Simplicité volontaire. Tiens, madame. Délice pour les papilles. Wow! On aurait pu la servir aussi dans l'assiette directement, la sortir de son plat gratin. On est prêt à la dégustation? Oui, alors, chef, on est prêt. Ça sent vraiment bon. Faut faire attention pour pas se brûler. Pas se brûler non plus parce que c'est encore chaud. Oui. Puis tu vois, la béchamel, il faut la faire quand même assez épaisse parce que l'endive, tout ça, rend son jus aussi. Oui. OK, mon homme. Oh, tu m'as fait un morceau? Oui. Souffle un petit peu. Chaud un petit peu, mazan. Ah, moi, j'ai pogné un peu de jambon, un extra. On aurait pu mettre des croutons de pain aussi, trempés dans la sauce. Bonne idée. Hein? C'est vraiment bon. On peut manger ça en plat principal avec une petite salade verte. Bien oui. Pourquoi pas? C'est simple, ça n'a pas pris de temps. C'est super bon. J'adore c'est vraiment ça. Bon. J'adore ça moi aussi.